Ministre travaux publics là, ingénieur Jacques Rousseau profité annoncer reconstruction route la Scarobas Miambalea ak travail réparation route Port-au-Prince Miambale Pamon Cabrit. Ministre Jacques Rousseau toujours dans micro Amos Breville ak Delson Gersin. C'est l'Union européenne qui nous a financé à travers le bon qui est le maître d'ouvrage nous a financé la reconstruction du tronçon de Port-au-Prince Miambale que vous avez maintenant et qui arrive à Miambale. Est en train de financer présentement Lascarobas Belader Croix de Fer qui arrive jusqu'à la frontière et est en train de financer aussi la reprise, la réhabilitation du tronçon Miambale Lascarobas. La route, la partie le mont Nakabri va être reprise totalement, le tronçon de route. Là, vous voyez quand même, il y a des ondulations, il y a des tassements différentiels. Ceci est en cours par l'Union européenne. C'est-à-dire, et il y a quand même la reprise des travaux de Hinge Saint-Raphaël qui va vers la RN3, va être en principe continué. On est en train de négociation pour une reprise des activités de ce tronçon. Donc, c'est pour vous dire quand même que tout l'appui que nous donne l'Union européenne est à travers le bon. Et c'est pour moi quand même l'occasion de remercier Monsieur l'ambassadeur Avenino PS, qui nous a toujours empressés à accompagner. Et seulement, l'Union européenne aussi finance, donne un appui budgétaire au fonds d'entretien routier, qui est important, qui permet de maintenir les routes en bon état. Donc c'est pour vous dire quand même, tout le service et toutes les tâches que l'Union européenne accomplit ici, et toujours c'est fait à travers le bon, qui nous a toujours accompagnés. Et c'est pour moi l'occasion de remercier et l'Union européenne et l'ordonnateur du bon.